Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette bague papillon à deux couleurs, rose et violette. C'est parti! Pour réaliser la bague papillon, il vous faut 10 élastiques roses, comme ceci, et 2 élastiques violets, et une petite attache. Donc vous prenez votre appareil, votre tablette Renboloom dans ce sens, avec l'axe du milieu qui est descendu d'un plot par rapport aux deux autres. Alors nous allons commencer par positionner un élastique rose du premier plot de l'axe du milieu vers le second plot, comme ceci. Puis du second vers le troisième. Ensuite nous allons positionner notre... Nous continuons avec les élastiques roses. Nous partons donc de notre troisième plot du milieu pour aller vers notre troisième plot de gauche, comme ceci. Troisième de gauche vers quatrième de gauche. Quatrième de gauche et on revient vers le milieu, le sixième. Et on repart de notre troisième plot du milieu pour faire la même chose en passant par la droite. Comme ceci. Ensuite, vous repartez de votre sixième plot du milieu et nous rajoutons deux élastiques roses. Du sixième vers le septième, du septième vers le huitième. Nous allons maintenant réaliser le cœur de notre bague. Donc, vous prenez un premier élastique violet que vous allez twister et que vous allez positionner donc du quatrième plot de gauche, du troisième plot de gauche pour rejoindre le quatrième plot de droite. Alors, je vais vous montrer. Donc, on part du troisième plot de gauche ici. Et nous allons rejoindre notre quatrième plot de droite en twistant l'élastique. Voilà, comme ceci. Donc du troisième plot de gauche vers le quatrième plot de droite. Et nous allons faire la même chose en partant du cinquième plot de gauche pour aller rejoindre le troisième plot de droite. Hop, vous twistez et voilà. Voilà ce que ça vous donne. Descendez bien vos élastiques. Donc nous avons terminé le positionnement des élastiques. Nous allons pouvoir maintenant commencer le tressage. Donc nous allons tourner notre tablette Renboloom pour réaliser le tressage. Voilà, et nous allons partir du deuxième plot. Vous ne partez pas du premier plot de ce plot là, vous partez bien du deuxième où les deux élastiques roses se croisent. Hop. Donc vous attrapez votre élastique rose que vous ramenez sur le plot suivant, comme ceci. Ensuite nous repartons de notre plot central et nous allons tresser nos élastiques roses jusqu'en haut. Premier élastique rose que nous ramenons sur le côté gauche. Nous ramenons sur le plot suivant. Et nous ramenons sur notre plot du milieu. Vous repartez du bas et vous allez faire la même chose sur le côté droit avec vos élastiques roses. Comme ceci. Sur le côté droit et vous ramenez, hop là, au milieu et vous continuez avec les deux derniers élastiques que vous tressez en repartant bien de votre plot du milieu du haut, comme ceci, et enfin comme ceci. Voilà, nous avons terminé le tressage. Vous allez, votre dernier élastique, vous l'étirez entre deux plots pour pouvoir passer votre petite attache. Voilà. Et vous pouvez ensuite défaire votre bague. Délicatement. Voilà. Hop.
Et voilà. Repositionnez un petit peu vos élastiques violets s'ils sortent trop sur les côtés. C'est normal comme nous ne les avons pas tressés. Vous voyez apparaître la forme du papillon au milieu. Hop, vous les... Voilà. Donc, vous positionnez vos élastiques roses du même côté de la tâche pour avoir la place de l'autre côté d'attacher l'élastique qui se situe à l'autre bout. Hop. Donc, vous étirez sur vos doigts et vous allez venir positionner, voilà, comme ceci, votre attache. Hop. Essayez. Et voilà, vous avez terminé votre bague papillon. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très vite pour un nouveau tuto. À bientôt.